Attention. Hello, hello, bonjour à tous. Ça va peut-être les faire Test venir. son, test son. Ça va peut-être les faire venir. Ah, la première personne est Ah, arrivée. C'est cool. c'est Point. Punto. Punto. Hello Fatima. Ah, Salut Vitalité. Fidélité. Ah, une habituée. Priyubiyu. Salut F, salut Gaël. Salut Polem. Salut Polem. On a nous Dabuzz au Cameroun. 92. On a la SNCF avec nous. Nico. Nickel. Bon bah génial, on voit qu'il y a des habitués. Hello. Femme intouchable avec nous. Salut, Gaëlle, bonsoir à tout le Vanessa. monde. Salut Vanessa. Bon bah bienvenue à toutes et à tous. On va commencer par se présenter parce que vous avez l'habitude de trouver Julien ici. Et Julien, bah, il se la coule douce en vacances pendant 2 semaines. Donc on a la lourde de charge de le remplacer. Moi, vous m'avez vu hier déjà, donc je suis Edouard, un des deux cofondateurs dans Voiture Simone. Et puis à ma gauche, j'accueille un autre Edouard, qui est aussi cofondateur dans Voiture Simone. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Voilà. Et en gros, bah, on est les patrons de Julien, pour faire simple. Donc on l'a autorisé à partir en vacances. Et voilà. Salut Léo 4, salut Salut tout le Rosa. monde. Bah on va commencer, je pense. Donc vous connaissez le principe, on va faire une série de codes tous ensemble. Et le but, ça va être bah, que vous battiez Edouard. Donc on va faire une série de codes, ça sera la série numéro 19. Donc allez sur votre téléphone, sur l'application Voiture Simone, vous ouvrez la série 19 et vous la faites tous de votre côté et on va la faire à l'écran. Moi, je vais vous poser la question dans le live. Vous allez en commentaire mettre la bonne réponse. Je vais prendre la réponse qu'a la majorité. Et puis Edouard, lui, avec sa petite ardoise, il va mettre sa réponse et il va noter toutes les fautes qu'il fait. Et le but, bah, il est bien simple, c'est de le défoncer. Vous le voyez à ses cheveux gris, le code, ça fait bien longtemps qu'il l'a passé. À l'époque, il n'y avait peut-être même pas de voiture, on ne sait pas. Des calèches, des dinosaures. Et voilà, donc on y va pour le code de la route. Donc comme vous le savez, en voiture Sivan, c'est une app de code, hein. C'est une app de code gratuite. Je pense que bah, tout le monde le dit, il n'y a pas mieux, c'est gratuit, c'est cool, mais c'est aussi et surtout bah, une auto-école. Edouard, je te laisse peut-être présenter Ouais. l'offre et le service. Bah, c'est simple, pourquoi on a lancé en voiture Simone? On l'a lancé maintenant il y a 10 ans, parce que le permis était trop cher, pas du tout pratique, pas du tout transparent, pas du tout ludique. On considérait que les auto-écoles traditionnelles n'étaient pas très honnêtes. Et donc, du coup, on a lancé une solution qui est 40% moins chère que dans une auto-école traditionnelle. Vous pouvez faire vos heures de conduite 7 jours sur 7, de 6h du matin à 23h le soir. Les examens, ça se passe super bien. Vous pouvez noter vos enseignants aussi à chaque fin d'heure de conduite. Donc, ça vous assure des enseignants de qualité. Et en 2019, on lance une révolution sur le marché. On permet à tous les Français de se former au code de la route sur en voiture Simone de manière gratuite. Donc là, vous téléchargez l'app en voiture Simone, vous vous formez au code de la route et après, vous pouvez aller à la poste, chez SGS ou chez Decra, passer votre examen. C'est quand même une révolution. Voilà. Et maintenant, Allez, on va c'est parti. pouvoir Je vois qu'il y a lancer quelques la personnes qui série. disent que ça bug le live. Est-ce que vous pouvez nous répondre pour nous dire si ça bug ou si c'est bon pour vous ou si ça bug pas? Est-ce que ça fonctionne de votre côté? Est-ce que vous pouvez nous dire si ça fonctionne de votre côté? On nous voit bien. Ok. C'est cool. Est-ce que Non, vous ça bug nous pas. entendez C'est bien? good. C'est Ça va good. C'est good. mieux. Ok. Bon. Ok. Bon, bah, c'est bon. C'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, on part sur la série 19. C'est parti, on y va. 40 questions, on rappelle le concept, hein. À chaque question, il y a forcément une réponse qui est bonne, au moins. Il y en a maximum 3. Et le but du jeu, c'est de faire au maximum 5 fautes. Donc d'avoir 35 sur 40. Si vous faites 6 fautes, c'est mort, vous n'avez pas le code. Voilà, donc on va y aller. On va demander à Edouard de ne pas trop tricher, de ne pas regarder les commentaires aussi. Et allez, c'est parti. Donc la première question, réponse A, j'attends que le bus redémarre, ou réponse B, je le dépasse.
Donc regardez bien tous les éléments sur la photo. Dites-nous ce que vous en pensez. Donnez les réponses en commentaire A ou B. Allez-y. Moi j'ai répondu, j'ai répondu. Et c'est parti. Ok, donc je vois qu'Edouard, il a répondu A. Et comme tout le monde, voilà, tout le monde répond A, c'est une unanimité. Ça, c'est une question donnée. Il faut savoir les prendre aussi, hein. Ça fait plaisir. Ouais. On va pas trop s'étendre sur le Bien pourquoi du joué. comment. En Bien effet, il y joué, a une bien voiture à joué. côté. Je sais même pas où on pourrait dépasser là, mais Il fallait bon. regarder le petit clignotant sur le bus. On voit qu'il est en train de faire une manœuvre et donc il est en train de redémarrer. Et donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas dépasser. C'est parti, à question 2. Donc, les effets de l'alcool sur le conducteur, ils se font sentir des réponses A, 0,20 g d'alcool par litre de sang. Réponse B, 0,50. Réponse C, 0,80. Réponse D, 1,20. Allez à vos réponses. En effet, pareil que DA. Bah, ouais, je pense que je n'ai pas encore la réponse officielle, mais ça a l'air facile. L'alcool. J'avais répondu A également. Ouais, l'alcool, dès les premières gouttes, commence à y avoir des effets. Évidemment, plus on en prend, plus ça a des effets, mais dès les premières gouttes, ça a des effets négatifs. Évidemment, à consommer avec modération. Ouais, surtout quand on conduit. Dans cette rue, je suis autorisé à stationner du côté droit, A oui, B non. Du côté gauche, C oui, B non. D non, pardon. Franchement, ça va. Hein. Pour l'instant, les questions, elles sont faciles. Hier, ça avait commencé, tout le monde tombait. Mais là, assez. Je pense que tout le monde est d'accord. Solide, solide. On continue. Donc, on en est à trois questions, trois bonnes réponses pour tout le monde. Ça se corse un peu, ça se corse un peu. Avec le permis B, est-ce que je peux conduire un véhicule sans passager comportant 9 places? A, oui. B, non. Un véhicule 11 places si je transporte 5 passagers, c'est oui, des non. T'as raison, Rosa. Edouard doit montrer son ardoise. Bah, t'as raison. Bah, toi qui as ton ardoise. t'as raison, on va le faire. Bien vu, bien vu, bien vu. Tiens, vas-y, ce que tu fais, écris en gros ta réponse, comme Allez, vas-y, ça, vas-y, 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 vas-y. tu leur montres. Et... Et tu nous dis quand t'es prêt. En tout cas, là, ils sont tous prêts. Moi, je vois une majorité de AD dans le commentaire. Et Edouard, il a répondu BD. Voilà, donc on va voir. Là, il y a une première Ça y est, différence. l'écart se creuse peut-être. AD, et je crois que c'est Oh là AED. là 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 Donc c'est là la première faute d'Edouard qui va mettre une petite croix ici pour pas qu'on oublie qu'il là. a fait une faute. Et vous êtes bon, bah 1-0, 1-0 pour vous. Je suis mal, je suis mal. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints là, les nouveaux, la Tiana, Salou, etc. Tintin, Good Vibes, Luna, tout le monde, ciao. Et on y va. Donc le vent souffle A de la gauche, B de la droite. Je risque de faire des écarts C vers la gauche, D vers la droite. Allez, mettez vos réponses en commentaire. Et Edouard aussi. Je vois pas mal de AD. En effet, je vois des AS aussi, mais je Ouais, pense que le S c'est à côté du D sur le clavier, donc c'est la faute c'est de du frappe. AD. Voilà, AD, AD, C'est AD. la faute de télécommande, AD attention. pour tout le monde, et Edouard aussi, il a mis AD. Voilà, n'hésite pas à écrire plus gros pour que les gens y Je fais voient. exprès, je fais exprès. C'est un gros tricheur que vous avez avec vous, hein. Je vais faire l'arbitre. Et en effet, bah, ça c'était facile, on voit. Ah, c'est aidé. Ah, Ah, CD, et bah bravo, tout le monde bravo. fait une erreur. Non, certains, je crois, avaient mis Non, non, il y en ACD. a qui ont bien vu ACD, mais la plupart ils disaient AD. Ouais, et on a d'autres des Et ok. BCD. Et donc là c'est faux en fait parce que en fait on voit que le vent il vient de la gauche donc il va vous pousser vers la droite. Mais parfois la bourrasque elle peut s'arrêter et comme vous vous redressez naturellement quand la bourrasque elle s'arrête paf vous repartez à gauche direct. Ou si vous croisez un camion ou une voiture, etc. Quelle expertise, dis Bah, donc. oui, tout à fait. Je regarde souvent la météo tous les soirs à la télé. T'as été en cours de physique, toi, Oublie pas ta petite croix quand même pour ta deuxième faute. peut-être. On essaye, on essaye.
Au contrôle technique, ma voiture sera soumise à une contre-visite si mes pneus sont sous-gonflés. A oui, B non. Un feu stop ne fonctionne pas. C oui, D non. Allez-y. Bien joué, Gaël. Tu étais bon pour la faute de... Ouais, bah bravo. Et là, maintenant, donc on attend les réponses. Allez-y, allez-y, hein, mettez les réponses en commentaire. Voilà. Ils sont On voit super plein de forts. Hein. baissés, on voit plein de baissés. Vous êtes Et ben, monte, super ton forts. ardoise, monte ton ardoise. Allez, l'ardoise, l'ardoise. C'est Elle là est la là, elle est caméra. là. BC. Vous avez bien vu, hein, il n'y a que deux croix pour l'instant. Et allez, baisser, je me trompe pas. Et en effet, c'est bon, le pneu sous-gonflé, c'est pas un problème de la voiture, ça se gonfle facilement. En revanche, le feu stop, il faut qu'un mécano intervienne. Voilà, c'est hyper important. Encore une question qui parle de boisson. Lorsqu'un de mes proches a trop bu, je peux A, le raccompagner, B, l'inciter à prendre un taxi, C, le laisser reprendre le volant, D, lui cacher ses clés. Donc, dites-nous ce que vous feriez dans ces cas-là. Évidemment, n'oubliez pas, le but c'est d'être le plus prudent possible. Ok, et ben. Ah Edouard, il a répondu A et B seulement. Et je vois qu'il a beaucoup de ABD. Donc, je vais dire ABD, lui cacher ses clés. Je ne sais pas si c'est. On va voir, on va voir. On va voir ce Alors qu'ils c'est disent. là, hop. Oh là là, il y a le ABD, et troisième ouais, en aussi. effet. Tant pis, on peut lui cacher ses clés. C'est pas hyper sympa. Vous allez peut-être perdre un ami, mais c'est quand même mieux que de perdre un ami tout court physiquement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tous les moyens sont bons pour empêcher de conduire quelqu'un qui a un peu trop abusé. Et hop, troisième croix. Dumbok 92. T'as raison, il veille au Il grain. compte bien, il compte bien. Il doit Ah. être comptable. T'es comptable ou pas, Dumbok? Et Nizox, tu dis que tu as eu ton code avant-hier, bah bravo, t'as fait combien de fautes? Est-ce que c'était dur? Dis-nous en commentaire si tu as trouvé ça dur ou pas. Et ouais, et n'oubliez pas aussi, l'application en voiture Simone, elle est dure. On l'a fait exprès. Le but, c'est que quand vous êtes prêt sur en voiture Simone, bah ça y est, c'est que vous êtes prêt pour l'examen. Ouais. Donc n'hésitez pas à anticiper un petit peu pour vous inscrire à l'examen si vous commencez à faire 6, 7, 8 fautes sur en voiture Simone de manière régulière. Réservez votre examen. Le temps que vous arrivez à l'examen, vous allez vous entraîner encore comme des oufs sur l'application et normalement ça va le faire sans problème. Normalement, à la fin, si vous avez mon niveau, vous pouvez aller à l'examen et vous l'avez. Sky, t'as eu ton code il y a 2 heures, t'as fait 3 fautes, bah bravo. Bravo, franchement. C'est cool. Bah, maintenant la conduite. Et bon courage pour la suite. Encore une fois, n'hésite pas en voiture Simone, hein, c'est la meilleure auto-école de France, il y a des enseignants partout. C'est les meilleurs, ça coûte le moins cher, ça se fait en ligne, on réserve ses leçons comme on veut, quand on veut. Voilà, c'est tout mieux que ce que font les autres. Allez, on y Question va. 8, on y va. Anticiper réduit la consommation de carburant. Ah oui, ben non. Augmente la durée du trajet. C'est oui, des non. Allez-y, allez-y, allez-y. Mettez vos réponses en commentaire. Ah. Là, c'est. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est le AD qui revient le plus. Ouais, j'ai l'impression aussi, j'ai mis assez. Je cherche la faute. Moi, je pense que c'est Edouard qui a raison. Et non. Et non, Edouard pourrait ajouter une quatrième croix. Anticiper. Non, non. Et ouais. Bon, et ben, bravo. Bravo à tous. Sont vraiment bizarres ces questions quand même. Et Hein. en effet, ça allonge pas du tout le temps de trajet. Ils le disent, aussi étrange que. Ok, ça allonge pas du tout le temps de trajet. En effet, quand on anticipe, bah, au contraire, on gagne même du temps parce qu'on fait moins d'erreurs, etc. Voilà. Donc, 4 fautes pour Edouard Bon à savoir. à la question. En 8 questions. Il en faut 40, C'est bien. ça va être très très long. on y va. En cas de circulation ralentie, la circulation interfile des motos et scooters est autorisée sur tout type de route. A oui, B non. Dans tous les départements, c'est oui, D non. Allez. Ok, je vois une majorité de AD. Pour une fois, je vous rejoins. Et là, je pense que. Ça veut dire que vous aurez faux.
Et tout le monde a faux. C'était B et D. Donc je sais pas qui. Est-ce qu'il y en a qui avaient mis. Est-ce qu'il y en a qui avaient mis B et D? Il me semble en avoir vu un, ouais. Ouais. Un peu plus haut. Il y en a. Rosane avait trouvé. Bah bravo. Ouais, bravo. Dave, tout ça, bravo. Bravo à tous. Bah ouais, donc. Moi, je mets vraiment les réponses que j'imagine être la majorité. En effet, il y a Gawen qui dit bande de menteurs, j'étais le seul. Je rejoins un peu, il n'y avait quand même pas beaucoup de monde hein, qui avait mis Non, BD, non. mais, mais bon, voilà, tant pis, on y va. C'est quoi 5 fautes égale pas de code, non? 5 fautes, t'es encore bon. Ah, je Maintenant, suis encore bon. il faut faire un perfect sur toute la suite. Ouh là 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 là. Lorsque je transporte un enfant, je verrouille la sécurité de la portière uniquement du côté où il est installé ou des deux côtés. Bon, la communauté a fait son choix là. J'ai En choisi B effet, c'est aussi. B. Bah oui. Vous êtes précautionneux, c'est bien. En effet, je pense qu'un enfant, il va tout essayer. C'est pas traverser la banquette qui va l'arrêter. C'est vrai. Donc voilà, faut prendre toutes les précautions. Décidément, ça enchaîne. Donc j'ai provoqué un accident à cause de la boisson. Le montant de ma prime d'assurance peut être majoré, pardon, de 150%. A oui, B non. Ça, j'avoue, moi, je sais pas. L'assureur peut résilier mon contrat. C'est oui, D non. Qu'est-ce que vous dites? Bon, alors là, je vois une majorité de AC. Salut Christine, je t'avais pas vu. En effet, t'es une habituée, ça fait plaisir. Bon, bah, une majorité de AC Ouais. et Edouard aussi, il est d'accord. J'avoue, moi, l'assurance, c'est pas trop mon truc. Je maîtrise pas très bien. Et en effet, vous avez les bonnes réponses. Ouh là 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 Question 12 sur là. 40. Donc, on voit un panneau bizarre. Qu'est-ce qu'il veut dire ce panneau? Il m'informe A que je serai prioritaire à la prochaine intersection uniquement, ou B que je circule sur une route prioritaire. Je ralentis à cause C du virage ou D de l'intersection annoncée. Allez-y sur les réponses. Allez-y sur les réponses. Ah, c'est partagé. Je vois du AC, je vois du AD, du BCD. Ok, la prochaine réponse, ça va être celle que je choisis. Et je vois du AD. Allez, donc je dis AD. Oui, aïe, aïe, aïe. Moi, j'aurais dit ACD perso. Non, pardon, j'aurais dit BCD. Voilà. Bon, tout le monde s'en fout. Et c'était AC et D. ACD. AC et D. En effet, on Et j'ai sera. faux. Voilà. Ciao, pas de code pour moi. Ok, il y en a qui avaient dit ACD là. Et sinon, Il me dites-nous en semble. commentaire d'où vous venez là un peu. Ah ouais, ce serait sympa On veut ça. voir les villes pour vous dire si, Ville, bah, si pays, tout ville, ça. pays, tout ça, pour voir si en voiture Simon est présent ou même, même pour créer un peu des liens. Marseille, Versailles, Lyon, Marseille, Paris, Aubervilliers, Nantes, Bordeaux, Roubaix, Bagneux, Roubaix, Saint-Gratien, Poitiers, 91, Épinay, ok, le Montauban, 91, Saverdun, Lyon, Nîmes. Herblay, Evichani, on Périgueux. fait tous les jours des lives. Alors oui, on fait tous les jours de la semaine des lives. Donc c'est Donc, tous les lundi, jours à vendredi. 8h30, le lundi, non pardon, du lundi au jeudi, Du excusez-moi pour lundi le au moment, ça jeudi, va bientôt être pardon. du lundi au vendredi. Et là c'est vraiment un peu particulier en ce moment, vous savez que demain c'est férié, donc demain il y a pas de live non plus. La semaine prochaine aussi, le mercredi, les fériés, il n'y aura pas de live. Mais sinon c'est du lundi au jeudi à 18h30. Et on va bientôt en faire beaucoup plus que ça. On va en faire en début de soirée, en fin de soirée, et tous les jours, même le week-end pour que vous puissiez réviser quand vous voulez. Aussi autre chose, bah on sait qu'il y en a qui rentrent tard du travail. Les lives, on va les mettre, je crois qu'ils sont déjà sur notre chaîne YouTube. On les met sur la chaîne TikTok, on va les mettre dans l'application aussi. Comme ça, si jamais bah, vous n'êtes pas dispo à l'heure du live, vous pouvez quand même réviser en mettant le live en replay. On y va sur la question 13. Le lave-glace avant est signalé par le symbole numéro 1, oui, B, non. Numéro 2, C, oui, D, non. Allez-y, balancez les réponses en commentaire. Evshiny, est-ce qu'on fait le permis à 1 euro? Non, non, malheureusement, on ne fait pas le permis à 1 euro chez en voiture Simone. Mais en revanche, il y a plein de solutions de paiement. On fait le paiement en 3 fois sans Trois fois frais. sans frais, Il y a ouais. le CPF aussi qui permet de passer son permis bah, gratuitement en vrai. Hein, vous utilisez vos droits Ouais, vous CPF. pouvez financer quasiment 100% avec le CPF.
Et dépêchez-vous parce qu'il va y avoir un reste à charge à partir de mai sur toutes les formations au CPF. Donc c'est l'occasion si vous voulez passer votre permis Pour avec le CPF. tous ceux qui bossent, qui sont alternants, qui sont Apprentis, tous ceux qui ont commencé apprentis, à etc. bosser, quand Tous vous ceux qui sont dans la commencez vie à bosser, active, paf, vous avez 500 euros par an de 500 droits euros par an. CPF. Et donc dès la première année, vous pouvez utiliser ces droits pour passer le permis de conduire. Et en vrai, bah, c'est mieux que vous puissiez faire parce que y a pas grand-chose qui est plus utile que ça, quoi. Ouais, et si vous n'avez pas, ça coûte aux alentours de 750 euros pour passer le permis avec nous et vous pouvez le payer en 3 fois sans frais. Donc ça reste beaucoup, beaucoup moins cher que dans une auto-école tradie. Ok, donc les gens ils ont mis AD comme t'es, comme toi Edouard. En effet, le numéro 2 c'est le c'est le bah, c'est le c'est l'arrière, je pense, hein. On va vérifier. Vitre arrière, ouais. Voilà. On y va. Ah mais j'avais pas vu, t'es déjà à 6 fautes Edouard en fait, donc toi t'as pas le code. Non, j'ai pas le Donc code. tu peux arrêter là. Voilà. Voilà. Mais bon, Mais je vais on va rester voir. avec vous, Bien c'est sûr, trop bien sûr. sympa. L'idée c'est de progresser. Remontada, Edouard, t'as raison. Bien sûr, T'as raison, bien sûr. on va aller annuler les croix. On y croit. Je poursuis le dépassement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Là, celle-là, elle est facile. Faut prendre. En effet, Allez, c'est allez, on y B, toujours va. la sécurité. Ça fait plaisir quand ça tombe, ce genre de questions. Ça rassure. Ma voiture est équipée de feux de recul. Ma remorque doit être pourvue également. Pardon. Doit en être pourvu également. Ouais. Donc ma voiture est équipée de feux de recul. Ma remorque doit en être pourvue également. On nous propose de faire des gamelles comme au baby-foot pour faire des moins 1. Ça me plaît. Ok, donc c'est A et ouais, Edouard aussi, il a mis A. Donc allons-y. On continue. L'écart de consommation selon les modèles de pneus choisis peut atteindre au maximum 2,5%, 7,5% ou 12,5%. Ok, donc là c'est une question très technique. La réponse en vrai elle s'invente pas. Il y a clairement Ah. ceux qui ont lu et ceux qui n'ont pas lu. Donc Edouard il a Allez, choisi le jeu du hasard. 1 sur 3. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup de B. Je sais pas si c'est parce Là là que. là 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 là, Je vois pas je si. n'avais pas vu, je n'avais Est-ce pas que c'est vu. parce que les gens ils savent ou c'est celle du On milieu va voir, juste? on va On ne sait voir, on va pas. voir. Mais Oh en tout là cas là, c'est la c'est bonne réponse. C'est 7,5%. incroyable. Force. Bravo à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup, dont Edouard qu'on choisit parce que c'était au milieu. Mais Bien sûr. très bien. L'important c'est d'avoir la bonne réponse. Donc là on voit un gros camion. Et du coup pour avertir de mon approche, je klaxonne A oui, B non. Je fais un appel de phare, C oui, D non. Allez-y. Ah, si, je vois quand même beaucoup de. Ok. Je vois beaucoup de A et de D. Vas-y, Edouard, montre. Il a pareil. On y va. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, hein. C'était la bonne réponse, hein, à aider. Ok. Le feu m'autorise à redémarrer. A, oui, B, non. Vous voyez un petit feu qui clignote là à côté de la à côté du de l'engin de chantier là. Je reste où je suis, c'est oui, des non. Ok, je vois Ils une sont très majorité très de A à forts. C comme Edouard. Ouais. Vous avez bien vu le véhicule arriver. Félicitations. Et ouais. On y va. Magnifique. En agglomération, on compte environ, réponse A, un tiers des tués sur la route. Réponse B, la moitié des tués sur la route. Réponse C, les deux tiers des tués sur la route. Réponse D, la réponse D. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, Allez, c'est bien on y va partagé. bold. Je vois Alzer qui répond A et titille bien, Edouard. Je vois qu'il y a une majorité de A. Bof, ouais, c'est compliqué. Allez, prochaine réponse, je prends. Et c'était un A, Lenny. Lenny, c'est toi qui portes la responsabilité de tout le monde sur tes épaules. Et
Oh là là Eleni, là Eleni, là! tu sauves la baraque. Edouard, il avait missé, il C'est s'est la trompé. croix. Il ajoute une nouvelle Je le croix. collectionne. Voilà, il va nous falloir une autre ardoise, je pense, pour toutes les Ah croix d'Edouard. Elle ne rentre plus dans son ardoise. L'arrêt à droite est autorisé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ah, Alzer, tu me dis, Edouard, il y a un problème avec la question d'avant. Ok, c'est quoi le problème? Bon, vas-y, attends, laisse tomber, Alzer, si tu veux, on en reparle plus tard, mais on enchaîne sur les questions parce que là, tout le monde, ouais. ils sont passés là. L'arrêt à droite est autorisé. Tout le monde met B. Et Edouard aussi met B. En effet, facile. Il y a un mec. Bon, lui, tranquille, il se permet tout. Et d'ailleurs, on voit qu'on est à Jurançon là. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Jurançon ou d'à côté? Normalement, c'est plutôt près de Montpellier nos photos, mais là, il y en a à Jurançon. Salut Wendy, salut Miezan, salut Salam. Ouais, bon, personne de Non, Jurançon, je on n'a crois. personne de Jurançon. Ok. Sur une voiture à boîte automatique, la position P permet d'avancer, de reculer ou d'immobiliser la voiture. Allez, mettez A, B ou C dans en commentaire. Je vois que Jassy, il Ça vient de part voir. bien. Ouais, tout le monde met C, en effet. Bah on en profite pour dire qu'en voiture si bonne, bah c'est aussi la boîte Ouais. automatique. Donc vous pouvez passer le permis sur boîte manuelle ou sur boîte automatique, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire les deux. Évidemment, avec les voitures électriques, il y en a de plus en plus. La boîte automatique, bah, c'est de plus en plus populaire, évidemment. Et en plus, il y a même une nouvelle règle récemment qui est passée. Vous pouvez passer votre permis en boîte automatique. Et quand vous l'avez, il vous suffit juste de 7 heures de cours en manuel pour transformer votre permis Ouais. en permis manuel. Et ça, c'est bien. Avant, il fallait repasser un autre examen. Là, il n'y a plus besoin d'examen. Donc, ça devient une formalité. Assez pratique et ça peut être moins cher. Donc la boîte auto, c'est pas mal. Et puis même pédagogiquement, c'est quand même bien d'apprendre à conduire sans avoir à galérer avec les vitesses. On regarde juste les usagers sur la route, les trajectoires, etc. Et c'est plus facile. Et on a lancé ça sur envoitureSimone.com en janvier. Inconnu X, combien de temps ça prend pour avoir son numéro NEPH? En vrai, ça dépend un peu des préfectures, mais ça va assez vite. Quand tu as bien fait ton dossier en ligne et sur un voiture Simone, il y a vraiment tout pour te guider pour bien le faire. Tu en as pour. Ouais, ils te répondent en max, 2 semaines, quoi. 2, 3 semaines normalement. Pendant ce temps-là, évidemment, tu peux te former. Ouais, voilà, c'est le temps qu'il Donc, faut de manière pour bien réviser. Donc. ouais, donc y a pas de sujet. La plupart des accidents sont évitables. A, oui, B, non. Ont une seule et unique cause. C, oui, D, non. Rosa qui nous dit une semaine, bah voilà. Tu viens d'où Rosa? Pour savoir Ouais, donne-nous ton département. c'est quoi le département, la ville. Bon, en tout cas, il y a une majorité AD, de A et ouais, D, donc ça AD. va être bon. J'attends juste pour savoir d'où elle vient Rosa. De Gironde, ok. Bah, donc en Gironde, ça Génial. prend une semaine, vous voyez, mais en vrai, c'est un peu le cas partout. Et c'était bien AD. Ouais, c'était bien à aider. Je circule à 30 km/h. Je dois ralentir. A, oui. B, non. Pas facile. Alzer, comment passer le code avec nous? Bah, en fait, c'est simple. Hein. Tu te fais un compte sur en voiture Simone. Tu télécharges l'app Et il y a tout. et à travers l'app, tu peux réserver un examen de code avec nous. Et il y a tout pour te guider pour pouvoir le passer administrativement et avec La Poste. Nous, on est en partenariat avec La Poste. Donc, quasiment en bas de chez toi, tu peux passer l'examen. Il y a tout, donc on rappelle en voiture Simone, c'est un site, hein, c'est voitureSimone.com, mais c'est une app aussi que vous trouvez sur l'App Store si vous avez un iPhone ou sur Google Play si vous avez un Android. Et puis à l'intérieur, bah, vous pouvez nous envoyer des emails, nous envoyer des messages si vous avez des questions, et même encore mieux, on a un numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi, je crois que c'est de 9h à 19h, Ouais. Edouard, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il y a quelqu'un qui va répondre à toutes vos questions. Voilà, ils sont hyper joignables. Et le numéro de téléphone, vous ne pouvez pas le rater sur l'application ou sur le Ouais. site, hein, en cliquant sur nous contacter. Et C'est plus. NWSS, c'est plus facile en examen? Oui, ça l'est. Là, on a mis les questions qui sont plus difficiles pour être sûr que vous arriviez prêt à l'examen.
Regardez d'ailleurs le nombre de fautes que je fais. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Au bord de ma voiture, je dois avoir un éthylotest non utilisé, un triangle de présignalisation, un gilet haute visibilité et une trousse ou une trousse de premier secours. Allez-y, allez-y. Et oui, évidemment, je vois qu'il y a des gens qui posent la question. Évidemment, on peut passer le permis avec en voiture Simone. C'est tout le but. C'est tout le but. Voilà. Nous, en gros, c'est ce qu'on a voulu faire. Le permis, c'est long, c'est chiant, c'est galère. Et bah, avec en voiture Simone, bah, on va pas se mentir. Hein, c'est quand même difficile, il faut bosser. C'est quand même. Voilà, c'est pas une partie de plaisir. Mais c'est beaucoup moins chiant et beaucoup moins galère que partout ailleurs. Et ça, on y tient beaucoup. Beaucoup moins cher et avec un meilleur niveau de qualité parce que tous les enseignants sont mieux payés que dans le réseau traditionnel et vous les notez aussi à chaque fin d'heure de conduite. Donc on est sûr d'avoir les meilleurs enseignants chez En voiture Simone. Voilà, c'est dur d'y voir clair sur les réponses. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Je crois que c'est. Allez, Y a du j'ai cru voir BCD BCD. beaucoup. Ouais, BCD beaucoup. On va Ouais, chercher je crois qu'ils ont BCD. raison. Je crois que l'éthylotest était obligatoire à une époque et puis ils l'ont sorti. Non, c'était B et C. La B et trousse de C. premier secours, c'est pas obligatoire. Et dehors aussi, il s'est trompé. Il y avait Ouais, ABC. ABC. Donc c'est une petite Donc pas croix. d'éthylotest, mais c'est le triangle et le gilet haute visibilité qui sont obligatoires. Voilà. Bon après, c'est toujours bien d'avoir un éthylotest et une trousse de premier secours. Hein. C'est pas interdit. Hein. Non, c'est pas Mais c'est juste interdit. que ce qui est obligatoire, c'est le triangle et le gilet. Allez, on y va. Je circule sur l'autoroute. A oui, B non. Ce panneau m'indique une aire de repos à 10 km. C'est oui, D non. Et oui, Alzer, tu bois pas. Bah, c'est encore mieux, en effet. Du coup, t'as pas besoin d'éthylotest dans ta voiture. Alors, je vois beaucoup. Allez, Edouard, faut choisir quelque chose là. Ah, c'est vrai que les gens, ils mettent du temps à répondre aussi. Hein. Et Allez, Dieu, allez, je vois allez. une majorité de A et de D. Ouais, je pense qu'ils ont raison, j'ai Edouard, il a mis douté. B et C. En effet, on voit qu'on est sur l'A20. Ça sent l'autoroute. Et non, c'est pas une aire de repos. Ah, ils ont raison, ils ont raison. Voilà. C'est un village étape. Voilà, un village étape, c'est pas pareil qu'une aire de repos. Petite croix supplémentaire. Petite croix supplémentaire, on n'y croit plus. Pour info, on en est à 26 questions. Edouard, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fautes. Je vous rassure, c'est pas lui qui a fait les questions. Vous voyez qu'il est très nul. Et je vous rassure, j'ai le permis aussi, donc c'est cool, Ouais, il non? a. Exactement. Ouais. C'est. Vous voyez, On peut tous y arriver. avec son niveau lamentable, le permis. D'ailleurs, c'est une très bonne remarque. Ça, je sais que Julien le dit souvent et il a raison. Le permis, ça fait vachement peur. C'est difficile, on n'est pas en confiance, c'est stressant. Mais Ouais. regardez dans votre entourage, il y a forcément des gens qui sont des grosses merguez, qui sont débiles comme pas deux et ils ont le permis. Et bah, du coup, ça veut dire Ça fait que plaisir. tout le monde peut l'avoir. Et c'est juste que c'est une étape de vie qui est un peu longue, mais vous l'aurez, c'est certain. Exactement. Je tiens à préciser, je n'ai jamais eu d'accident quand même. Et ça fait quasiment 20 ans que j'ai le permis, tu Bah vois. ouais. Bah, y a eu. Voilà. Allez, on y va. Si les vitres avant de ma voiture sont surteintées, je risque une amende. Ah oui, B non. L'obligation de mise en conformité, c'est oui, D non. Ok, je vois une grande majorité de A et de C. Edouard fait le Voilà, on même est bon. choix. En effet, surteinté, dangereux. Voilà, on se prend pas pour Cyril Hanouna. On a des vitres normales. Et tout ira bien. Question 27, on enchaîne. La zone d'incertitude autour du piéton est plus importante dans la situation 1 ou dans la situation 2? On ralentit dans la situation 1 ou la situation 2? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alzer qui dit on voit pas de différence. Je suis plutôt de ton avis, mais en vrai, il y Ouais. en a un peu. Et tout le monde. Tout le monde a l'air de dire BCD. Je vois du BCD qui se dégage. Ah oui, Edouard, c'est il vrai dit qu'on peut essayer. BD. C'est vrai, non, mais c'est. Oui, bon, moi j'ai fait une faute. C'est Ouais, vrai qu'on peut. dans tous les Encore cas. une. Non, mais Non. c'est vrai qu'on pouvait mettre Et c'est la les bonne croix. réponse. Je comptabilise ma croix, rassurez-vous. Voilà. Ok. La consommation de carburant dépend du type de conduite, de la présence d'un coffre de toit, de l'utilisation des accessoires électriques, de la fatigue du conducteur.
Allez-y. Donc là, choisissez les réponses. Et alors, tout le monde dit ABC, comme toi, Edouard. Moi, ça ne m'étonnerait pas que la fatigue du conducteur, ça joue quand même. Mais On peut on va influencer, voir. ouais. C'est sûr qu'on Et n'a non, c'est ABC. Ok. pas le même comportement, mais. Ok. La fatigue ne joue pas un rôle significatif dans la consommation de carburant. Bah ouais, voilà. Ok. Donc autant la fatigue, c'est hyper dangereux, mais pour le carburant, ça ne change pas grand-chose. Allez, on enchaîne. Donc passager de la voiture, je m'aperçois que le conducteur bâille et change fréquemment de position. A. Je l'encourage à continuer, on est presque arrivé. B. Je lui demande d'accélérer un peu pour arriver plus vite. Bah oui, bien sûr. Encore mieux. C. J'augmente un peu le volume de radio. Bah oui. Aussi, D. ça va le réveiller. Je lui propose de prendre le volant. Allez-y. Bon, celle-là, elle est cadeau. De toute façon, dès qu'il y a de la prudence, il faut toujours prendre la prudence. Voilà. Génial, j'ai une réponse bonne. Voilà. Edouard aussi, il a bon. Je voulais pas montrer tes cadeaux, quand même, ça. Non, elle était cadeau. Un poste d'appel d'urgence se trouve à ma gauche ou à ma droite. Une issue de secours se trouve à ma gauche ou à ma droite. Allez-y. Donc là, on attend les réponses. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, Mustapha, Ouais. tout ça. Je ne sais pas si vous étiez parti, revenu, mais en tout cas, bienvenue. Donc je rappelle, on est en train de faire un live de code. Donc on fait une série de code en live. Le but, c'est que bah, vous nous battiez, quoi, comme vous battiez Ouais. Edouard. Et puis ça va pas être très dur. Et puis on rappelle qu'en voiture Simone, bah, c'est une auto-école. Donc c'est une auto-école, donc vous avez une application de code pour passer le code. Et c'est une auto-école qui est présente dans toutes les plus grandes villes de France. C'est présent partout dans les 70 plus grandes villes de France. Ouais, plus de 500 codes postaux, même exactement. Ouais, voilà, Donc on 500 couvre, communes, 70 agglomérations. on est forcément à côté de chez vous Ouais. pour faire notamment la partie conduite. Voilà. Et on rappelle que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus ludique, beaucoup plus honnête, transparent. Et voilà, tout est mieux que dans une auto-école tradie. Bon voilà, ils ont tous mis BC, comme Edouard. Voilà, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui voulaient des explications aussi, qui ont demandé des explications. Là, je sais pas si ça vaut trop le coup, mais on voit bien Ouais, qu'il à y a un droite, téléphone ouais. SOS à droite, et puis on voit bien qu'il y a un truc vert à gauche. On voit pas Voilà très bien le picto, mais le truc la vert, petite c'est issue de sortie. secours. Voilà. L'habitacle d'une voiture garée en plein soleil peut dépasser une température de 60 degrés si elle n'est pas équipée de vitres teintées. A oui, B non. Si elle est équipée de vitres teintées, c'est oui, D non. Allez-y, bienvenue Henrik. Salut Blackary, ça fait plaisir. Bon, je crois qu'on va suivre l'avis de Rosa. Rosa l'a dit A, C, un peu comme tout le monde et comme Edouard, en effet. Faire hyper chaud dans une voiture, donc faut y penser. Parfois on quitte la voiture, il fait pas super chaud, mais quand on revient, il fait hyper chaud, et du coup, faut pas laisser d'enfants dedans, faut pas laisser ses D'animaux, animaux. etc. Ouais. Ça peut devenir un vrai four. Attention, vidéo, on regarde tous la vidéo, elle passera qu'une fois. Ok. Donc là, vous avez vu la vidéo et la question c'est en passant sur un ralentisseur, j'entends un claquement provenant du dessous de la voiture. Je continue mon trajet ou je me rends immédiatement chez un garagiste. Bon, tout le monde dit B, Edouard aussi il dit B. Alessio dit personne se rend chez le garagiste en vrai. Ouais. Écoute, Alessio, Moi, je le rejoins un peu, hein. J'aurais continué quand même un peu, histoire de voir si t'as ça tenait la peut-être route ou raison, pas, tu mais vois. ça, on vous laissera choisir, mais la Mais le prudence jour règne du toujours. code, au moins, c'est simple. Ouais. Vous mettez B, la sécurité avant tout. Ouais, même de manière générale, on encourage. Parce que s'il y a un petit problème qui prend l'ampleur, ça peut devenir hyper grave et vous coûter une blinde derrière. Donc, C'est vrai. voilà. Ne pas repousser à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, n'est-ce pas, Mieux. Edouard? Mieux vaut prévenir que guérir. Tout à fait. Si vous voulez, on donne des cours de proverbe. Voilà, c'est pas hyper intéressant. C'est trop cher le garagiste, Mimi, t'as raison. Ouais, mais malheureusement. Bah, ou alors il faut savoir faire. Hein, mais toi, tu sais faire, Mimi, t'as des compétences un peu.
Dis-nous tout ça et on enchaîne. En cas de contrôle des forces de l'ordre pendant une leçon de conduite, je devrais présenter A, mon livret d'apprentissage, B, une copie de ma demande de permis de conduire, et mon moniteur devra présenter son autorisation d'enseigner, son diplôme professionnel. À vous de répondre. Compliqué. On en profite pour dire que je suis en voiture Simone. Évidemment, tous les moniteurs, ils ont leur autorisation d'enseigner, ils ont leur diplôme professionnel. Il y a l'assurance, le véhicule double commande, c'est carré, c'est l'auto-école la plus carrée de France. Donc, non seulement ils sont tout en règle, mais en plus, ils sont sélectionnés, Ouais. c'est les meilleurs. Ils sont notés par les élèves systématiquement après chaque leçon. Voilà, c'est hyper important pour nous Bah, vous ayez les meilleurs que enseignants en ouais, France, tout voilà. simplement. La meilleure expérience pour que ce soit sympa, que vous passiez le permis rapidement, en confiance, et surtout que vous l'ayez, donc avec un haut taux de réussite, etc. Donc allez, il y a Allez, du les réponses. AC, je vois du. En vrai, je vois du ABC, beaucoup du Ouais, ABC, du donc tout le monde dit ABC, la ABC. copie de ma demande de permis de conduire pour certains. Ça, j'avoue, je ne sais plus exactement. Bon, bien Avec un joué. voiture Simone, en vrai, vous n'avez même pas à vous en préoccuper parce que tous ces documents, ils sont enregistrés dans votre application mobile. Et du coup, si vous faites arrêter, vous montrez l'application mobile, il y a tous les documents, on peut les C'est montrer de bon. manière digitale. Voilà. J'avais faux, hein, je mets une croix. Ouais, donc là, il y a beaucoup, beaucoup de croix, vraiment. Allez, la vidéo! Vidéo. Ok, donc je tourne à droite, je passe à B, je reste où je suis. Pas facile, hein. J'avoue, moi je suis pas. J'ai l'impression que ça peut partager. Edouard, il a mis A, et je vois pas mal de A de B. Christine, t'as mis A. Là, je commence à avoir un peu plus de. Un peu plus de. Un peu plus de A. Je vois que quelqu'un a dit qu'il aimerait s'inscrire chez nous pour le pas de permis. Ben, franchement, bienvenue. On t'encourage à le faire. Si tu as la moindre question, appelle le numéro qu'il y a sur le site ou sur l'application mobile. Ouais. Ils vont répondre à toutes tes questions de manière très transparente. Quels enseignants sont près de chez toi, etc. Comment Donc voilà. t'inscrire? Ils vont vraiment te prendre par la main, ils sont très cool. Ouais, pose toutes tes questions. Allez, la réponse, on Alors, attend. je vois une majorité de A. Allez, go. Et c'était la Et en bonne effet, réponse. c'était la A. Parce qu'en effet, le tramway, il arrive à gauche et il va tout droit. Donc, Ouais, pas de souci, vous pouvez aller à droite, il n'y a personne qui s'engage. normalement, il suit les rails, si tout va bien. On y va. Donc, pour éliminer totalement une alcoolémie de 0,8 grammes par litre, je dois attendre A, au moins 2 heures, B, au moins 5 heures. Allez, on est joueur. Je peux accélérer l'élimination en buvant du café, en absorbant une cuillère d'huile. Il y a pas mal de recettes de grand-mère, j'ai l'impression. Ouais, je vois des réponses B, un peu de A quand même, mais. Ouais. Allez, c'est une majorité de B. Edouard, il a mis A, il est joueur. Et c'était la réponse B. Allez, une croix supplémentaire pour Edouard. J'attaque la deuxième colonne. Évidemment, la cuillère. Vous voyez toutes les croix là, c'est ses fautes. Est-ce qu'il y a des mathématiciens ou des statisticiens qui nous permettront de compter? Parce que là, nos cerveaux sont plus capables de gérer tout ça, quoi. On y va. Le dépassement par la droite de ce bus est autorisé. A, oui. B, non. Allez-y, donnez vos réponses en commentaire. Et je vois une majorité de A, moi, comme Edouard. Et oui, en effet, il peut pas sortir. Il est dans la voie de bus, le bus, donc il va pas en sortir. Il a pas son clignotant, donc il risque pas d'en sortir. Donc vous pouvez le dépasser. L'allumage automatique des feux de détresse se déclenche avec l'ABS, le SP ou l'AFU. Allons-y. Pardon, il y a un petit bug sur l'ordinateur. Donc choisissez, là moi j'en sais rien et je vois qu'il y a une majorité de C. Je vois une majorité de C.
Et Et toi? moi, j'ai mis ABC. Ils t'ont avait... Pardon, je mets votre réponse à vous. Et la réponse Ils sont était trop C. forts, ils sont trop forts. Ils sont trop Ou forts. je suis trop nul. C'est possible aussi. Allez, une petite croix de plus pour Edouard, qui va nous faire un record, hein, je crois. La Attention, la deuxième vidéo, colonne. la vidéo, la vidéo. Là, on est dans un tunnel. Les lumières bleues sur les parois, elles servent à guider les véhicules ou bien à vérifier l'intervalle de sécurité minimum. Moi, j'en sais rien. Enfin, maintenant, je sais un peu plus parce que j'ai vu toutes les réponses. Lentille 971, Oh là bienvenue. là là là, je ne suis En pas dans la effet, majorité. tout le monde dit B. Tout le monde dit B. Et Ils c'est ont la bonne raison et j'ai réponse. Edouard faux. Méa, il ajoute une petite croix. Allez, avant-dernière question. Avant-dernière question, une victime saigne du nez. Il faut comprimer la narine qui saigne. A oui, B non. Pencher sa tête vers l'avant, C ou vers l'arrière, D. Allez, à vos réponses. Donc là, premier secours. Vous êtes en voiture. En voiture, n'oubliez pas, vous pouvez voir plein de choses. C'est un endroit dangereux, donc vous pouvez voir plein de scènes où il faut agir. Donc évidemment, plus vous en savez sur les premiers secours, mieux c'est pour tout le monde. Je vois pas mal de réponses différentes en réponse. Ah si, non, je vois un truc qui se détache. Je vois du A et du D qui se détachent, comme Edouard. C'est Et faux. c'était A et C. En effet, il faut lui pencher la tête vers l'avant et surtout pas vers l'arrière parce que sinon, vers l'arrière, le sang il va repartir dans le corps et dans Ouais. la gorge et elle risque d'avaler son sang et ça peut causer plein de problèmes. Petite croix. J'y crois supplémentaire. En vrai, on les compte plus, Edouard, t'es obligé de les mettre maintenant. Si, si, il faut les compter. Donc pour estimer la vitesse d'un véhicule arrivant derrière moi, je regarde dans mes rétroviseurs une seule fois assez longtemps, plusieurs fois rapidement. Ah, il y a une majorité de B et Edouard aussi. C'est la dernière question. Donc on va y aller pour le résultat. Juste avant le résultat final, on vous rappelle quand même en voiture Simone. Bah vas-y Edouard, rappelle ce que c'est en voiture En voiture Simone. Simone, donc c'est une auto-école dite en ligne qui est 40% moins chère qu'une auto-école traditionnelle, qui vous permet de prendre vos heures de conduite 7 jours sur 7, donc même le dimanche, de 6h du matin à 23h le soir, et ça sur quasiment plus de 600 points de rendez-vous en France, avec des enseignants diplômés d'État, tous évalués à chaque fin d'heure de conduite, donc le meilleur réseau d'enseignants de France. Et vous pouvez commencer avec l'appli ou le site internet sur le code de la route entièrement gratuitement. Allez, on y va. On y va, Lucie qui nous demande de faire des coucous à Julien, t'inquiète, on lui transmet. Déjà hier, il y avait beaucoup de gens qui lui transmettaient des coucous, et ça lui Ouais, a fait ça sera chaud au cœur. transmis. Ça sera Ça sera transmis. transmis, et voilà. Et allez, donc la réponse B, et en effet, sa réponse B. Donc Edouard aussi avait bon. Edouard, t'as combien de fautes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bah, c'est un record. Et vous? À la majorité, aïe 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 aïe, 7 fautes, 7 fautes, on n'a pas le code. Et Ben ben on va faut revenir bosser, demain, faut on va revenir bosser. demain. Donc dites-nous là en commentaire, Enfin, vous avez une... c'est après-demain. quoi vos scores? Donc je vois Fadia 34, dommage, dommage, à une faute près. Marina 29 fautes, bah, il faut encore un peu bosser. Les 10 de Mimi 0 faute, franchement bravo parce qu'elle a été chaude cette série. Donc ça c'est très impressionnant, il faut aller passer le Ouais. code très vite. Christine, 6 fautes. Ok, en vrai, t'es pas loin. Ouais, t'y es Je pense que tu presque. peux commencer à t'inscrire à l'examen parce que ça, Ouais, c'est pas c'était une mal. dure. Trois fautes, faut y aller là, Ouais, par contre, 3 fautes, hein. faut y aller, les gars. Vous êtes chaud. Bah voilà. J'ai pas compté, t'as bien fait. Ok, je vois Lucie. Des fois, faut expliquer les réponses SVP. On comprend pas tout parfois. Ok, c'est bien noté. Yes. Promis. À partir de maintenant, on va donner plus d'explications. 5 fautes Rosa, bravo, ça fait plaisir. Ouais, bien sûr, on va souhaiter des bonnes vacances à Julien. Carrément, ouais. Bon, bah voilà, on s'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux Ouais, sur hyper le live. sympa. De vous voir de partout. J'ai vu qu'il y avait la Belgique qui était là. Ouais. Et surtout des habitués comme Priou Biou, là, qui nous envoie du love. C'est cool.
Et bien noté, ouais, pour les explications, on va vous en apporter sur les questions-réponses à partir de jeudi, hein. N'oubliez pas que demain, c'est férié, on sera pas là. Et j'ai une question pour vous. Hier et la semaine dernière, il y avait des gros bugs sur l'application. Elle était lente. Il y avait plein de gens qui galéraient à l'utiliser. Il y a eu des premiers correctifs qui ont été mis en place par l'équipe tech là aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez vu des bugs ou pas sur l'application pendant que Lucie, ça fonctionne? Ouais, Merci. et sur les questions officielles, ouais, les questions du code de la route dans Voiture Simone ont été réalisées par la personne qui a fait les questions de code de l'examen officiel. Alors, ce ne sont pas les mêmes, mais ça a été fait par la même personne. Donc, vous avez des questions que vous retrouverez d'une manière différente à l'examen, mais elles sont formulées de la même manière. Et je vous le rappelle, elles sont plus difficiles. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez autant de fautes que moi. Trop bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bug, ou en tout cas qu'il y en a, il y a beaucoup moins qu'hier, donc ça c'est cool. C'est cool, Super, ouais. parfait. Bon bah merci à tous et à toutes. Salut Rosa, salut Christine, à bientôt. On Ouais. envoie un. Ouais, on va demander, on va passer le bonjour à Julien, et puis. Et on se voit donc jeudi. À 18h30. Même heure. Allez! Et d'ici là, bah, profitez bien. Ciao! Ciao, salut!